Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant APIC pour les radios, la CS.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Denis, la radio Puissance Max. Merci pour tous les messages que j'ai reçus hier concernant le cathé dans le désordre. J'en suis donc maintenant à 20 tiercés, 11 quartés et 7 quartés. Pour ceux qui ont l'habitude de voir aussi les stats des autres journalistes typiques, allez voir également mon lien de description en dessous de la vidéo avec mes stats. C'est quand même pas si mal que cela en début d'année. Par contre, pour aujourd'hui, je vous ai donné seulement un couplet gagnant placé à 2 sur 4. Le 6 et le 9 ne faisaient pas partie de ma sélection. Mais bon, cela fallait les trouver. Voilà, c'est comme ça. Pour notre mardi 1er février, et oui déjà, notre quartet aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Attention, ça va être un quartet qui va être très 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 difficile à trouver. Sur 2500 mètres, grande piste, 16 partants au départ. Pour l'instant, après, j'ai quelques bonnes bases. Et après, j'ai fait une petite découverte qui peut venir faire pimenter les rapports. Un peu comme notre dimanche avec le prix d'Amérique. J'ai placé en tête de ma sélection le 3 Olapi qui sera cheval du jour. Voilà, je pense qu'elle est parfaitement terminée son année avec un bon parcours. Et je pense qu'elle peut venir prendre une très 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 bonne place dans le KT. J'y crois beaucoup. Après la gagne, on verra bien. Je lui oppose le 9 Always Welcome. C'est aussi un cheval qui est très très bien en ce moment. Il est très régulier, donc il devrait être lui aussi dans le coup. Le 2 Shams Abad sera ma troisième base pour notre KT. Il dispute son quatrième meeting canois. Chaque année, il est là constamment. Donc, pourquoi pas, et attention à lui. Le 4, Belgium Prince, qui sera mon très, très gros coup de cœur. Attention à lui pour aussi une très, très, très belle place. Dernièrement, il a terminé assez loin, mais il est des plus réguliers, donc je le rachète. Donc, mes 4 bases pour nos quintés très, très, très difficiles. Le 3, le 9, le 2 et le 4. Et la voilà ma découverte pour notre mardi, le 13. Alors, Grace B, c'est ma découverte pour notre KT. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde dans une sélection. Mais pourquoi je l'ai mis? Parce que sa musique est pas trop mal en 2021. On verra bien de ce côté-là. Il peut venir faire... le KT avec une très 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 belle cote. Le 1, Mister Nino, avec Monsieur Pasquier, peut venir prendre une belle place également. Le 12, Neisham sera beaucoup de folie pour ce KT. Et le 11, pour les anciens, vous vous souvenez de la série science-fiction Galactica. Voilà, c'est mon coup de poker pour notre quinté de ce côté-là. Et en cas de non partant, le 6. Donc, mon cheval du jour, le 3, mais de base, le 3 et le 9. Mon très très gros coup de cœur, le 4. Mon coup de folie, le 12. Et mon coup de poker, le 11. Mes 2 sur 4, le 3, le 9 et le 2. Mes couplets gagnants placés, le 3, le 9, le 2 et le 4. Je répète ma sélection, le 3, le 9, le 2, le 4. Le 13, le 1, le 12 et le 11. Attention au 13, mes amis, on en reparlera. Je vous dis encore merci pour tous les commentaires. Vous avez vu, j'y réponds, ce qui est tout à fait normal et logique. Donc allez faire un petit tour sur les performances des autres pronostiqueurs. Vous allez voir qu'au niveau des tiercés écartés, je ne dois pas être loin de la première place. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon, des courses.